Bonjour, 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 bonjour. Alors, je vois qu'il y a des présents. Merci de vous signaler. Salut à tous. Donc, je suis Céline, démonstratrice Stampin' Up. Je représente donc la marque Stampin' Up pour du matériel de scrapbooking et de loisirs créatifs. Voilà, donc aujourd'hui, on avait rendez-vous pour un petit atelier tuto pour cette petite carte-là. Donc je l'ouvrirai dans quelques minutes pour vous montrer un peu, c'est l'intérieur surtout qui est très sympa. Voilà, avant je voulais juste vous rappeler que la promotion Celebration se termine le 28 février, donc dans une semaine, et c'est celle qui vous permet de récupérer des sets de tampons gratuitement par tranche de 60 euros sur ma boutique. Voilà, donc il reste une semaine, j'ai eu pas mal de commandes ce mois-ci. Donc en fait, avec le code hôtesse qui est juste au-dessus de moi, n'oubliez pas que chaque mois, je peux vous saluer. Je peux vous offrir des petits cadeaux en fait. Voilà. Et puis vu que j'ai eu pas mal de commandes, ça va me permettre de vous offrir un peu plus de cadeaux ce mois-ci. Donc allez-y, vous avez encore une semaine. Je valide le code hôtesse le 1er mars. Voilà. Je vous ai sorti tous mes catalogues aujourd'hui juste pour vous rappeler que le janvier-juin est toujours effectif un petit moment, mais l'annuel qui s'arrête en avril va bientôt terminer. Voilà, donc pensez-y si vous avez des petits chouchous dans ce catalogue, sautez un peu dessus en fait rapidement, tout simplement bah, parce que ils vont disparaître. Voilà, courant mois d'avril, en fait, moi je saurai quel matériel va disparaître ou pas. Donc je pourrai vous fournir cette liste. Mais sachez qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui vous plaît et qui disparaîtra à partir du mois de mai, attention, nous on le sait au mois d'avril, mais les stocks sont très limités. Donc si c'est des chouchous de tout le monde, ça risque de partir très vite. Voilà. Hop, les petites infos. Et moi, dans moins d'un mois, j'ai accès au nouveau, donc j'ai trop hâte. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire cette carte. Voilà. Donc je vais vous passer en plus grand. Donc. Alors, je cale juste ça pour que je puisse tout voir. Voilà, parfait. Donc en fait, c'est une carte toute simple que j'ai faite avec la nouvelle collection qui sort le 2 ou 3 mars, le 2, je crois. Voilà, donc je vous l'ai déjà présenté, mais la semaine prochaine, on en parlera un peu plus parce que ça sera le jour de la sortie. Et du coup, j'ouvre. Donc j'ai mis une petite pince en fait pour faire le petit effet waouh, comme on dit, parce qu'à l'intérieur, j'ai enroulé quelque chose qui va se dérouler au moment où je vais l'ouvrir. Donc si vous pensez à refaire et l'offrir à quelqu'un, faites ce que je viens de faire, simplement parce que ça va faire un effet bien sympa à l'ouverture de la carte. Voilà, donc je me mets bien, et puis quand on l'ouvre, hop là! Voilà. Donc il faut tout simplement l'enrouler. Tac. Du coup, je vais peut-être l'ouvrir comme ça sera plus facile. Bon, là, je ne l'ai pas enroulé beaucoup, hein. Je l'avais bien plus fait tout à l'heure. Voilà, donc je vous propose de faire cette petite carte qui peut tenir, hop, sur elle-même. Il demande vraiment pas beaucoup de matériel. Donc je vous avais dit la semaine dernière, vu qu'on avait fait un projet un peu lourd, je vous avais dit que cette semaine on en faisait un beaucoup plus sympa. Donc j'ai utilisé les tampons loutres juste ici, parce que je trouvais que sur la vague ça allait bien. C'est un de ceux de Celebration justement qui disparaît dans une semaine, que vous pouvez avoir gratuit. Et puis du coup, la nouvelle collection avec le set de tampons, les découpes, donc ça c'est ce que vous pourrez avoir à partir de la semaine prochaine. Au niveau du matériel, tac, je vous avais donné la liste et en fait il faut vraiment pas grand chose, donc moi je me les suis préparées. Il vous fallait un papier noir, alors moi le noir, donc là j'ai prévu de refaire exactement la même pour une fois, donc le papier noir c'est tout simplement votre base, donc ça va vous aider à choisir votre matériel. Donc le papier noir qui fait 21 14 sacs, donc il sera mis dans ce sens-là. Le papier blanc qui est juste ici, il est là. Celui-ci, il fait 20,6 par 14,2, donc juste légèrement plus petit que le noir pour pouvoir poser par-dessus. Après, nous avons, donc là, j'ai pas tout à fait le même, j'ai pris celui-là, le papier décoratif qui se trouve ici,
qui va être encore un tout petit peu plus petit, qui fait 20,4 cm par 13,8. Donc ça sera remarqué hein, quelque part sur mes vidéos. Voilà, après nous avons le papier qui est devant là. Il est là. Donc j'ai pris la sortie. Il fait 10 de long par 14. Voilà. 10 ou 9? 9, attendez. Par 14, c'est bien ça. Et il fait 10, c'est bien ça. Et ma carte au total, elle fait 10 et demi. Ok. Donc c'est bien ça. Donc 10 par 14. Et puis c'est tout. Donc j'ai quand même pris un petit bout comme ça pour décorer la petite fenêtre là. Donc ça, vous pouvez le faire ou pas. Donc moi, j'ai repris cette couleur-là qui va bien avec. Et puis tout simplement du papier blanc pour pouvoir faire ma découpe, les trucs comme ça. Voilà. Et je me suis même préparé ma petite cupule avec les étiquettes et les petites découpes déjà faites. Comme ça, au moins, il n'y aura pas la big shot en plein milieu. Et mon petit fil. Hop. Donc je vous avais mis sur la publication de l'événement sur ma page Facebook, du fil de pêche le plus fin ou les fils de perles là qu'on a pour faire les bracelets. Moi, c'est carrément le fil couture en fait qui est transparent, le fil invisible, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc on va partir là-dessus. Ça fera un petit live pas très long, donc c'est parfait. Et puis la semaine prochaine, on repartira sur un projet un peu plus long. Allez. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure si vous en avez. Et comme d'habitude, je vais essayer d'être au plus clair possible. Alors, on va commencer avec le papier noir que je vais plier en deux, tout simplement au milieu. Donc vu qu'il fait 21 de long, look comme ça, 21 de long, je vais plier à 10,5. J'ai ma lame qui s'est enlevée, voilà. Donc je me mets à 10,5. Je prends le papier blanc. Je vais plier pareil en deux à 10,2. Donc là, je me mets bien au-dessus. Hop. 10,2. Voilà. Non, j'ai fait une bêtise. Voilà, ça commence. C'était 10,3 le papier blanc. Pardon, 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 pardon. Bon, c'est tellement proche que ça va pas trop se voir, ça va aller. Et c'est le papier imprimé, le grand, qui est à 10,2. Voilà. Alors, je répète juste, le noir, il fait 21 par 14,5. On le plie à 10,5. Le papier blanc, il fait 20,6 par 14,2 et on le plie à 10,3, donc qui est le milieu, hein, tout simplement. Et le papier imprimé, il fait 20,4 par 13,8, on le plie à 10,2. Voilà. Donc je vais tout simplement coller l'imprimé sur le blanc. Par contre, alors, petite astuce, vu que ça, il va y avoir une pliure ici, je ne vais pas mettre de colle à ce niveau-là en fait. Je vais venir mettre du double face à peu près. Alors, j'utilise le double face parce que quand il y a des pliures comme ça, c'est un peu plus facile. Et ça me permet aussi de ne pas avoir la colle qui va baver. Et par contre, du coup, on se retrouve avec des petites choses comme ça, mais qui ne se voient quasiment pas. Donc, même là, la caméra, ça ne se voit pas beaucoup. Donc, du coup. Je ne vais pas mettre de colle ici sur la pliure. Parce que sinon, tout simplement, quand on va venir faire ça, ça ne va pas être bon. Donc, je vais en mettre comme ça. De toute façon, ça va très bien tenir. Il n'y a pas de souci. Ici, je peux en mettre. Je marque un tout petit peu la pliure pour moi. Et on va venir coller. Alors. Si je ne me mets pas comme il faut là.
truc. Voilà. Et là, du coup, on peut. Ben voilà, ça fait quand même. Voilà, en pliant au milieu et en fait à rabattant. Voilà, là ça va. Donc là, on voit que ça s'ouvre un peu ici. Et c'est justement pour éviter qu'il y ait des problèmes après. Tac. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère dans ces cas-là ne pas mettre trop de colle. De toute façon, la carte, vu qu'elle est bien ouverte comme ça, même si c'est pas collé tout à fait, ça se verra pas en fait. Voilà, donc après, on va faire le trou pour cette partie-là. Donc en fait, tout simplement, vous cherchez votre tampon que vous voulez mettre ici, l'élément que vous voulez mettre, et vous allez créer une fenêtre en fonction de sa taille. Là, je vais refaire le même. Donc, je m'étais créé mon petit gabarit, qui est ici, voilà, qui fait 4 sur 9 pour ce tampon-là. Donc, on voit bien que c'est bien celui que j'ai enlevé. Et je vais venir tout simplement me le mettre ici en essayant de le centrer un minimum. C'est là que mon papier quadrillé est super aussi adapté. Voilà, on va le mettre à peu près par là. Tac. Et je vais venir avec un crayon. Donc je vais voir si ça va assez marquer parce que celui-là de papier est beaucoup plus foncé. J'essaie de faire à peu près droit. Et je me marque mon ouverture. À savoir que si c'est légèrement plus grand ou légèrement plus petit, c'est pas bien grave. Mais pensez bien quand même qu'il faut le retour pour permettre la rotation. Si vous le faites trop petit ou trop près, ça ne va pas aller. Donc j'ai fait ma marque et je vais tout simplement me le découper au cutter. Bon, j'ai peut-être pas besoin du gros, je vais prendre mon petit. Donc là, comme je l'ai dit, on se fait un petit projet aujourd'hui pour en faire un plus gros la semaine prochaine, qui est presque prêt d'ailleurs. Le projet, je l'ai presque fait mon. Hop, mon prototype est presque terminé. Je suis super contente. J'ai hâte de vous montrer ça. Hop. Alors, pour celles qui regardent, qui sont arrivées par le lien via Facebook ou Instagram, il vous suffit de vous créer un compte gratuitement sur le site Twitch pour pouvoir intervenir et me faire un petit coucou en direct. Voilà, donc j'ai pas trop appuyé, j'espère que ça a été, sinon on va recompléter. Alors là, vu que ma marque est déjà faite, j'y vais, mais si vous faites ça doucement. C'est un coup à mettre un cutter en vrac et à ruiner ce que vous avez fait. Alors. Ça, j'ai pas assez appuyé pour les doubles épaisseurs. Je vais repasser, mais en essayant de ne pas faire la bêtise que je viens de vous dire. En général, c'est toujours en live qu'on les fait. Bon, étant donné que ce projet est un peu plus petit et un peu moins audacieux, j'espère que vous aurez plusieurs à le refaire. En effet, j'ai pas assez appuyé, hein, de tellement de peur de faire une bêtise. Hop, je vais doucement parce que si je ruine ça. Alors voilà, là c'est bon, là c'est bon. Il me reste plus que le papier blanc un petit peu ici. Voilà. Donc la chute, celle-ci plie. Ouais, si, peut-être, je vais peut-être en faire quelque chose. Par contre, celle-là, je vais bien la conserver parce que ce papier, je l'ai tellement aimé qu'il m'en reste presque plus. Donc du coup, la semaine prochaine, je vous présenterai la table que j'ai faite avec tout le matos qu'il y a dessus. Mais je ne pourrai pas trop vous montrer les feuilles en grand parce que j'en ai plus. Par contre, vous pourrez voir tout plein de projets que j'ai fait avec. Ah, il y en a plein. Voilà, donc on a notre fenêtre.
J'ai bien ma pliure et on est pas mal. Donc, je vais m'enlever ça, on a fini avec ça. Et ce que je vais faire maintenant, c'est on va faire ces pliures-là. Parce que du coup, là, celle-là, on l'a, mais on n'a pas ça. Donc, je vais faire ces pliures-là. Et pour les faire, hop, je reprends mon massicot. Alors là, pour le coup, si vous avez le SimpliScore, c'est beaucoup plus facile, même si c'est pas indispensable. Et je vais venir plier à 4 cm du centre. Donc ça veut dire que mon centre, il est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à 4 cm ici. Tac, mon 4, il est ici. Et en plus, je crois que c'est bien ça. Je m'étais aperçu en plus que j'avais le repère en haut aussi, en me mettant un 4 en bas et 4 en haut. Donc ça me permet d'être droite. Voilà. Et je vais plier. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je me mets à 4 en bas et je m'aligne aux 4 en haut. Et je plie. Là j'appuie un peu plus parce qu'on a deux épaisseurs. Et du coup, on peut venir plier dans l'autre sens. Alors, ça sera plutôt comme ça d'ailleurs. Celui-là, comme ça. Et celui-là, comme ça. Voilà, comme ça, on se retrouve avec la base qui est presque faite. Donc, rien de compliqué, vraiment, je vous l'avais annoncé. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais ajouter la petite fenêtre ici. Donc pour la fenêtre, moi j'avais déjà préparé mon petit papier. J'ai tout simplement pris 1 cm de plus en large et 1 cm de plus en haut. Donc en fait, si je le mets dessus, ça fait ce qui va dépasser. Après, à vous de voir de faire plus ou moins petit. Je voulais faire plus petit au début, mais ça ne vous laisse pas beaucoup de place pour la colle en fait. Donc du coup, je me mets au dos. Je vais pareil le centrer à peu près. Et je vais refaire tac, mon petit gabarit. Hop là. Que je vais découper comme tout à l'heure. Donc là, on est vraiment sur des vidéos live tuto, hein. Donc, du coup, j'avance, j'explique. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Et je pense que ce week-end, j'essaierai d'en lancer un où on fera autre chose. C'est quand même plus sympa, je peux plus discuter. Voilà. Alors pareil, je vais regarder si ça a bien marqué. Parce que ce papier-là est un peu épais aussi. D'ailleurs, je vais peut-être le faire dans ce sens-là, j'ai peur de l'abîmer. Donc ça c'est pareil, c'est du papier qui est disponible avec la nouvelle collection aussi, du coup qui sort la semaine prochaine. Donc vous pourrez découvrir mercredi prochain. Voilà. Il y a ce bout-là qui s'est pas fini. Tac. Voilà. Avec ça, on va venir le coller ici. Donc là, je vais utiliser ma colle. J'enlève ça.
Ouais, j'ai fait des grosses bulles, mais je vais venir un petit peu les aplatir pour pas que ça déborde de trop. Alors, si vous avez un petit pinceau qui est dédié à votre colle, allez-y. Je vais y aller avec les doigts. Comme ça, au moins, j'essaye d'en mettre vraiment uniformément sur toute la surface. Hop, j'enlève ce bout-là et je viens le placer tout autour de ma fenêtre. Je vais prendre mon chiffon pour appuyer. Alors allez-y doucement sur cette étape pour pas que la colle bave un peu partout. Et je vais venir marquer le pli de suite. Voilà. Pour la fenêtre. Comme ça au moins, mon cadre va de suite comme il faut. Voilà. Hop, parfait. Donc du coup, on a fait quasiment les trois quarts de la carte en fait, tout simplement. Mais ce qui va être intéressant maintenant, c'est de fabriquer ça. Alors, petite technique, je vais en profiter pour vous expliquer. Parce que mon tampon, il est là. Or là, toc, là, il est dans le sens, mais derrière, il est à l'envers. Donc en fait, comment j'ai fait? Alors c'est là que l'outil indispensable, celui dont je vous parlais la dernière fois, pardon, j'ai ma souris qui a bougé, voilà, celui dont je vous parlais la dernière fois, que personnellement je n'utilise pas beaucoup, mais pour ce type de projet, ben, en fait j'ai pas vraiment le choix. Il me faut du coup le Stamparatus, qui est l'aide au tamponnage. Et il me faut, je n'ai pas sorti mon petit tapis en silicone. Donc celui-là, vous m'avez vu l'utiliser plusieurs fois, mais plus pour l'encre ou les choses comme ça. Et ben là, je vais l'utiliser pour le tamponnage. Voilà. Alors, je vais attraper en même temps ma découpe qui est là. Vu que je voulais vous montrer la petite technique, je ne l'ai pas eu, je n'ai pas découpé en avance. Et du coup, la petite chute de papier blanc que j'avais préparée. Donc, hop, on va déjà se le tamponner une fois ici, pour le côté à l'endroit. On va le faire en noir, pareil. Donc là, il n'y a absolument rien de spécial. Voilà, donc on se l'est tamponné à l'endroit. Et du coup, je le veux à l'envers. Donc pour ça, je vais prendre mon tampon. Alors, je vais. Hop. Alors, je vais enlever cette feuille là parce que si elle bouge, elle va m'embêter. Il faut surtout pas que ça bouge. J'ai mis ça en brouillon, mais les aimants sont très très forts. Il faut porter pour les enlever. Voilà. Donc, je cale bien mon silicone dans le coin. Je regarde à peu près mon papier qui vient à peu près jusque là. Donc je vais pouvoir mettre mon tampon par là. Voilà, je l'appuie bien parce que du coup je ne l'ai pas nettoyé, donc je fais attention de ne pas mettre mes doigts dessus. J'enlève mon papier et je viens rajouter de l'encre. Et là, le tapis de silicone va faire tout le travail. On met un peu d'encre,
Donc tout simplement, je tamponne sur le tapis. Donc j'appuie bien. Et je vais venir le faire deux ou trois fois pour qu'il y ait bien bien de l'encre qui va bien dégorger sur le tapis. Et je peux y aller sans problème étant donné que Stratus est là pour ça, c'est-à-dire ne pas baver et retamponner exactement au même endroit que la première fois. Vu qu'on n'a pas bougé le tapis, on n'a pas bougé la plaque. Voilà, on va le faire une troisième fois. Je l'avais fait que deux fois sur le premier. On va le faire une troisième fois pour voir. Voilà. Et je vais tout simplement venir appliquer ma feuille sur le tapis. Alors par contre, faites bien attention parce que si vous posez le papier et que vous le bougez, ça va baver, bien évidemment. Donc du coup, je vais le poser comme ça. Et alors, soit vous pouvez frotter d'entrée de jeu et hop, retourner votre papier et vous aurez l'effet inverse en fait. Le tampon sera à l'envers. Mais moi, ce que je vais faire, parce que c'est quand même une découpe, donc j'ai quand même besoin de voir où c'est que je vais couper. Donc je vais le retamponner ici une fois pour pouvoir caler ma découpe comme ça. Parce que l'autre qui est à l'envers, vous allez voir, je ne vais pas pouvoir me poser ma découpe en fait. Voilà, donc le fait d'appuyer ici pour tamponner ici, ça a aidé à faire imprimer le tampon ici. Donc vous voyez, là il est dans les deux sens. Donc ça c'est ce qu'on appelle le tamponnage recto verso. Donc normalement, hop, je le vois avec ma lumière, mais je ne sais pas comment vous le caler. Vous voyez bien qu'il est bien disposé exactement au même endroit. Vous allez le voir sur la découpe. Mais des fois, donc ça c'est le recto verso. Et il y a l'effet miroir aussi. Vous avez dû voir quelques cartes récemment où vous avez un motif dans un sens et un motif dans l'autre sens qui le regarde. Il faut tout simplement caler, donc faire le premier à l'envers et après venir tamponner à l'endroit à côté. Voilà, c'était la petite technique du jour. Donc je vais aller le découper juste derrière. Avant, je nettoie mon tampon comme d'habitude. Nettoie toujours en direct. Pour pas laisser l'encre s'accumuler. Tac, je vais nettoyer mon petit tapis aussi. Oui, c'est alors c'est ce que j'ai fait l'autre fois. C'est un objet qui est à la fois sympathique à avoir pour l'aide au tamponnage, pour les tampons multiples pour plein de choses. Il y a quelques petites autres techniques du coup en farfouillant un peu que j'ai trouvé que je vous présenterai au fur et à mesure. Après, c'est pas un outil. Enfin, pour moi, c'est pas un outil indispensable. Il y a beaucoup de démonstratrices qui le mettent en outil indispensable. Moi, j'avoue que étant à l'école de base en fait, où les tampons depuis l'âge de 3 ans, j'en ai peut-être dans les mains. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y a des effets comme ça. Qu'on ne peut pas faire sans. Voilà. Il peut y avoir éventuellement d'autres techniques qui sont mises au point pour les faire. Donc je vais aller les découper. Donc ce que je vous disais, c'est que du coup, celui-là, je peux le découper comme ça. Mais celui-là que j'ai fait à l'envers, je ne peux pas. Donc c'est pour ça que je l'ai tamponné derrière pour pouvoir faire la découpe. Si vous, vous n'avez pas de découpe que vous le faites au ciseau, c'est pas la peine de le refaire derrière. Allez, hop. Par contre, je vais attraper mon petit post-it pour bien caler ma découpe. C'est dommage de la foirer maintenant. Ah.
Alors après, moi, j'ai utilisé cette méthode aussi parce que j'ai utilisé ce tampon que j'ai choisi tout simplement parce que c'est la nouvelle collection que je veux mettre en avant. Mais après, si vous... Hop là, je vous montre du coup le recto verso qui est parfaitement. Donc du coup, je vais pouvoir le coller comme ça. Voilà. Si vous utilisez un motif qui est, comment dire, symétrique, vous n'avez pas besoin de faire ça de toute manière. Vous n'avez pas besoin de cette machine, vous n'avez pas besoin de chercher à faire ça. Vous pouvez faire, par exemple, si vous faites un cœur, si vous faites, je sais pas, si vous avez des petits tampons qui sont à peu près similaires et de taille similaire ou même en forme géographique, en fait, vous pouvez tout simplement le faire. Voilà. Sinon, mettez un petit cœur, ça fera toujours plaisir à la personne qui le recevra et au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on va aller fixer ce motif sur notre petite base. Donc là, c'est tout simple. On va d'abord venir tendre le fil ici. Voilà, donc on n'en a pas besoin de beaucoup. Donc je prends juste un peu plus grand ici, un peu plus grand ici. Voilà, ça suffit largement. Toc. Et par contre, le fil, vu qu'il va être tendu, il va falloir bien, bien, bien le fixer. Donc vu qu'il est fin, vous allez me voir un peu galérer, c'est normal. Vous verrez quand vous le ferez vous-même. Alors, je vais prendre mon double face qui fixe fort. Et je vais venir en mettre un bout. Ici, alors je coupe. Celui-ci, il est vachement bien parce que du coup, on peut le découper à la main. Ça, c'est quand même pas mal. Hop, ma petite pointe. Alors, attends, je reprends. C'est tout simplement l'arrière de ma carte. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai toujours mon motif comme ça. J'ai juste retourné l'arrière et je fixe ici. Hop là, je vais perdre mon fil. Et je fixe ici du double face un petit peu sur la longueur pour bien faire tenir la ficelle. Voilà. Et là, du coup, je vais venir tendre ma ficelle. Donc, je vais venir la mettre tout simplement sur mon double face bien tendu. Donc là, ça a déjà adhéré parce que j'ai pris du double face un peu fort. J'ai pas pris le petit truc de la souris. Voilà. Et ce que je vais faire, donc là, il est bien tendu en fait. Je sais pas si vous le voyez un petit peu. Et en fait, je vais venir prendre le bout qui dépasse et le ramener un petit peu par-dessus pour faire un petit double collant. Voilà. Hop. Faut pas que ça dépasse de l'autre côté non plus. Alors où c'est qu'il est là? Je ne le vois pas. Il est tellement transparent ce fil. D'ailleurs, si vous ne savez pas coudre ou pas trop et que vous avez des petits accrocs à corriger, prenez ce fil. Au moins, il n'y a rien qui se voit. D'ailleurs, pour ça que j'en ai. Je ne l'ai pas du tout acheté pour le projet, hein, j'en avais déjà. Hop, voilà, je reviens le poser de manière à faire une bonne fixation pour être sûr que le fil ne va pas se détendre. Voilà. Et par-dessus, je vais venir coller un petit papier. Alors, soit vous remettez un petit peu de scotch par-dessus, mais je trouve que c'est un peu gâché. Donc, moi, du coup, je vais venir mettre. Bon, on va récupérer la chute de blanc de tout à l'heure. Tiens, pourquoi pas. Je vais venir découper. Hop. Un petit carton fin. Non, j'aurais pas dû faire comme ça. On va faire un plus gros comme ça. Et comme ça, en plus, on a déjà la pliure. Par contre, on n'a pas besoin d'autant de quarts. Et comme ça, vous collez votre papier par-dessus. Voilà. Et ça réutilise votre petite chute de papier blanc qui était pliée au milieu. Qui, je ne sais pas, si elle aurait été très utile. Voilà. Par contre, ne le collez pas trop sur le bord ici ou ici. Là, je l'ai fait, mais je vais venir recouper un tout petit peu là pour pas trop qu'on le voit. Voilà. Et je vais faire pareil ici pour en fait pas que ça colle, tout simplement. Parce que si ici vous laissez du collant et que je fais ça, ça va se coller. Hop. D'ailleurs, là, on voit bien, voilà, le petit carton que j'avais collé derrière pour cacher. Parce que sinon, ça va venir se coller dessus. Donc je vais faire pareil pour ce bout-là.
Voilà, le but étant de vraiment pas laisser de colle dépasser. Je vais le garder, on ne sait jamais. Voilà, donc du coup, on a notre petit fil qui est bien tendu et on va venir assembler nos petits motifs. Donc, pas se tromper de côté. Donc, vous voyez que alors l'impression n'est pas aussi top. Donc, ça, c'est le côté normal. Hop, et ça, c'est le côté arrière. Donc, en plus, avec la découpe, ça fait une petite marque ici qui est un peu en relevé. Mais bon, franchement, ça va. On voit pas trop la différence. Je vais faire un petit bec. Je vais colorier le petit bec en orange. Prendre la grosse pointe. Histoire de mettre un tout petit peu de couleur au milieu. Voilà. Et je vais tout simplement prendre mes petits points de colle pour les assembler. Donc là, alors la dernière fois, j'avais pris les mains de mon homme pour m'aider. Donc là, on va essayer de faire autrement. Donc déjà, je vais venir coller mes petits points de colle. Alors, je peux en mettre un en plus dans la tête, c'est parfait, il fait pile la taille. Après, en fonction du motif que vous aurez, vous adapterez. Donc, je vais en remettre un ici. Il faut qu'il soit fixé à la ficelle, bien entendu, mais sur lui-même aussi, pour pas qu'il se dédouble. Donc, et je vais en remettre encore un. Après, plus j'en mets, plus je me complique la vie pour les coller aussi. Pas trompé, non? Tac. Allez. Donc, en général, on vous dit de mettre par-dessus le côté le plus joli tamponné. Donc, on va mettre le recto, même si de toute façon, ça bouge. Donc, celui-ci, je vais le mettre dessous. Hop. Donc, je vais faire qui colle à rien du tout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le centrer à peu près. On va essayer comme ça, comme ça. Hop, voilà, comme ça, j'ai ma ficelle qui a commencé un peu à adhérer. Ce que je vais faire pour me libérer les mains, c'est que je vais attraper des choses lourdes que j'ai apportées. Je vais essayer de ne pas vous trop vous cacher. Voilà, là, je vais laisser mon doigt. Et je vais venir le coller par-dessus. Ok, hop, voilà. Ah ben, parfait. Voilà, parfait, c'est une réussite. Et du coup, on a notre petit pélican qui est parfaitement des deux côtés. Okay. Voilà. Donc le gros du boulot est fait maintenant, hein, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller sur la base de carte. Donc là, j'avais pas marqué la pliure. Alors là, c'est pareil. On reprend la carte finie. Ici, c'est pas collé, d'accord? Et c'est pour ça aussi qu'ici, il fallait cacher la colle. Oula, le noir, c'est compliqué le noir. Faut que j'arrête d'utiliser le noir en vidéo. Voilà. Donc du coup, je vais venir juste coller ici et ici. Et vu que c'est une carte qui va être, enfin, qui est censée être un peu rigolote et donc être maniée, surtout si vous la donnez à des enfants, je vais utiliser aussi ici pour coller cette partie-là et cette partie-là, mon double face un peu dur. Vous pouvez le faire à la colle, mais en fonction de qui à qui vous l'offrez, en fait, ça peut être pas suffisant, en fait, tout simplement. Voilà. Hop. Voilà, on va faire l'autre côté. Et là, je vais venir. Donc là, par contre, hop, vous y allez doucement, voilà, en bien mettant, parce qu'en fait, si je tire et qu'elle est comme ça va pas aller. En bien la mettant comme ça, parce qu'il faut à la fois qu'elle puisse s'appuyer. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, pour coller le motif sur le blanc, je vous ai dit de pas trop mettre de colle, parce que sinon ça, vous pourriez pas le faire en fait.
Donc du coup là, hop, je peux bien le tirer pour bien le caler. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté après l'autre. Donc ça, c'est pas collé, donc c'est bon. Je vais venir. Hop, je tiens bien, en fait, j'appuie avec mes doigts pour pas que ça bouge. J'ai dû ressortir ma pointe avant. Je vais essayer de la toc. Il est tellement bien que même avec deux doigts, j'y arrive. Si j'y arrive. Où c'est qu'elle est mon encoche? Voilà. Voilà. Je vais venir enlever ça. Et du coup, j'aurai plus qu'à redéplier dans l'autre sens. Et mon premier côté sera collé. Voilà. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. Je pense que niveau projet, plus light et plus facile que les derniers, le challenge est réussi. Et pour l'effet waouh, je pense aussi, hein. Voilà. Et donc, on n'a plus qu'à coller la devant qui va ici. Donc là, en fonction de ce que vous voulez faire comme travail dessus, je vous conseille de le décorer avant que de le coller là. Tout simplement parce que là, on a quand même... Ah, le noir avec la caméra, ça va pas du tout, hein. On a quand même une bonne épaisseur ici, en fait, une fois replié. Donc, c'est un peu compliqué. Si vous voulez travailler dessus, vous voyez, elle tient pas comme ça. Voilà. Donc, il vaut mieux la travailler d'abord là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, comment j'avais fait? J'avais fait ce petit... avec... un sentiment. Alors je crois que de toute façon, ah oui, j'avais mis celui des loutres. Mais cette fois-ci, on va mettre le joyeux anniversaire. On en manque toujours des cartes anniversaire. Je vais venir le tamponner ici, tout simplement. Je vais le tamponner. On va rester sur le bleu. La pointe pacifique est une couleur accordée. Alors, la caméra bof, quoique ça va, mais en vrai, ça va hyper bien le noir pour la profondeur. Oui, tout à fait. Et puis, avec les papiers, j'ai envie de dire déjà là, ça rendait super bien. Mais là, avec celui-là, avec le noir en haut, là, le bleu bien bien foncé, je pense que c'est un bon choix. Et c'est vrai qu'avec la caméra. Voilà. Alors, mon petit joyeux anniversaire que je vais venir coller là. Ah, bravo! Alors ça, c'était pas à faire. Je me suis mis plein les doigts. Alors pareil, hein, la caméra qui bouge dès que je bouge la table, hein, j'espère que ça ne le fera pas quand je serai installé. Alors est-ce que... Ah ben voilà, super, ça part bien. Avec le petit pchit pour les tampons. Même les doigts, ça les nettoie. Allez. Alors, je fais toujours attention quand j'ai des tampons fins comme ça, parce que du coup, ils se vrillent facilement. J'ai toujours peur de les abîmer. Voilà, je remets ça. Qu'est-ce que... Oui, je sais pas pourquoi je réfléchis, c'était obligé que j'allais le faire, donc je prends... Donc là, on passe à la déco, hein, bien entendu, hein. La structure, elle est finie, vous avez bien compris. Donc c'est une structure ultra simple à reproduire. Là, je vais venir passer les petits pointillés. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais bon, fallait tenter. Ouais, dans le renfort, c'est peut-être pas une bonne idée, mais bon. Maintenant que j'ai commencé, je finis. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément... Voilà, on va faire ça plutôt. On va venir colorier les petits pointillés plutôt que de refaire des pointillés par-dessus.
Quand il y a trop de blanc, en fait, trop d'espace vide, j'aime bien faire ce genre de choses. Ça vient remplir un petit peu. Bon, là, c'est un peu bavé. J'ai un peu fait. Voilà. La caméra, j'ai pas l'impression qu'elle soit nette aujourd'hui. Ou alors c'est le réseau qui ne donne pas une qualité optimale, mais pas l'impression que mon retour soit nickel, hein. Tac. Donc je vais le coller ici en 3D. Voilà, j'aurais pu en mettre que deux, hein, mais j'aime bien quand c'est bien bien surélevé de manière homogène. Voilà, on va venir le coller par ici. Qu'est-ce que j'avais fait sur la carte? Ah oui, alors la vague, je suis pas sûre de pouvoir la faire parce que mon papier est très foncé. Ce que j'avais fait ici, en fait, c'est que vous voyez, ça fait embossage, mais en bleu. Donc là, en plus, j'ai pas branché mon fer, donc on va pas le faire. Par contre, l'astuce que je vais vous donner, c'est que vous avez déjà vu plusieurs fois, j'ai fait l'embossage en blanc, en noir et en transparent. On n'a pas les couleurs bleues, en fait. On a de couleur or, on a du couleur cuivre, et j'en oublie une, je ne sais plus laquelle. Et pour faire en bleu, en fait, c'est tout simple. On tamponne une première fois avec notre encre, comme ça, tout simplement. On tamponne directement sur le papier. Et après, en fait, on va retamponner. Donc là, l'estampeur intus, c'est génial parce que justement, on peut retamponner exactement au même endroit. Donc là, ça remet un petit peu le coup de l'estampeur intus. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait ça pour être sûr de retamponner au bon endroit avec la Versamark, tout simplement. Vu qu'on fait en transparent, ben en fait, on se retrouve avec du transparent bleu. Voilà, si j'avais tamponné en rouge et que j'avais fait la Versamark par-dessus le rouge, plus poudre transparente, ça m'aurait fait un petit relief rouge. Voilà. Donc on n'a pas toutes les couleurs, mais on peut le faire quand même de toutes les couleurs grâce à la transparente, qui est d'ailleurs celle que j'utilise le plus. Après, si vous n'avez pas l'estamparatus, c'est facile aussi. Vous pouvez tamponner et après essayer de bien caler ou vous prendre un petit repère sur comment poser. Si vous mettez votre petite carte bien à un endroit précis, vous mettez un petit repère en fait, tout simplement. Hop, ce qu'on peut faire, c'est ce genre de choses. Ça fera peut-être moins précis que le stamparatus, mais ça fera un effet tout aussi bien rendu. Donc en fait, par exemple, je vais me mettre là dans le coin. Hop, je me mets par là. Et par exemple, en se mettant un petit repère de se caler bien au bord du papier, toc, je nettoie mon tampon, je mets ma Versamark et je reviens par-dessus avec à peu près le même repère. Manière, vu que c'est une vague qui n'a pas un tamponnage plein, ça se verrait pas en fait, tout simplement. Donc ça peut être aussi fait de manière facile. Mais c'est vrai que le stamper intus, dans ce cas-là, revient encore une fois en petit gadget, certes, mais efficace. Voilà, autant pour ça que pour ça. Voilà. Donc du coup là, on va pas le faire parce que tout simplement mon bleu ici, ou alors il faudrait que je le fasse en bleu nuit. Ah, et si on se la fait en bleu nuit? Allez, on va essayer. Au moins, on va se la faire en bleu. Donc à 50 minutes de la vidéo, j'ai un petit peu de temps, on va faire ça. Vrai que la création de la base a été quand même très rapide. Donc, je vais ranger le point de Pacifique. Hop. Enlève tout ça. Mon modèle, sinon je vais l'abîmer. Voilà. Alors du coup, je vais revenir avec la stamparatus. Hop. À la voir, hein, je vais pas m'en priver. Et en fait, je veux ma vague ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir tenir ma carte avec mon petit aimant. Tac. Voilà. Donc on va se la mettre à peu près droite. L'aimant, une fois tenu, il bougera plus.
Et du coup, ma vague, pour voir la caler où je veux, je vais venir la poser directement là-dessus en fait. Donc je vais la faire dépasser un peu de ce côté, un peu à droite et un peu en bas pour être sûre. Parce que vu que c'est pas un clear et que c'est un monté silicone, je ne vois pas exactement en fait où c'est que je vais tamponner. Donc je la fais un peu dépasser. Voilà. Et tout simplement en rabattant, ça va venir exactement au même endroit. Et donc je tamponnerai au même endroit. Donc on va commencer par tamponner en bleu nuit. Comme ça, on verra de suite si ça fait quelque chose ou pas. Je vais pas lésiner en encre, comme ça au moins je suis sûre que. Alors ce que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire, c'est remettre mon papier brouillon. Parce que je vais salir ma base. Essayer de venir le glisser en dessous. Mettre ici comme ça je bouge pas la. Voilà, comme ça je bouge pas ma carte. Et je viens tamponner. Ah! J'ai bien fait de m'arrêter. Mettez votre brouillon avant. Voilà. Et là, je vais bien appuyer parce que c'est un tampon qui est bien gros, bien imposant. Et je veux bien qu'il se voit. Puis de toute façon, avec cette plaque, comme je vous ai déjà dit, ça ne peut pas baver. Vous pouvez appuyer, il n'y a pas de souci, le tampon ne bavera pas. Voilà. Ah, il se voit bien en fait, hein. Ça va être sympa. Je vais le refaire une deuxième fois. Comme ça, il sera bien bien prononcé. Bon, ben c'est parfait. Au moins, ça vous montrera l'exemple en plus. Fera une deuxième technique dans la même carte. Voilà. Alors si vous êtes ultra rapide, mais il faut vraiment être rapide, vous pouvez aussi de suite mettre la poudre. Parce que vu que l'encre reste un peu enfin, liquide, non sèche pendant quelques secondes, mais il faut vraiment être rapide hein, quand même. Tac. Donc la plaque est amovible, je peux l'enlever pour me nettoyer. Et comme ça, je ne bouge pas mon tampon de place. Parce que si je le bouge, je vais perdre mon repère. Donc, je vais le nettoyer bien comme il faut pour pouvoir mettre ma Versamark sans problème par-dessus. En plus, hein, la plaque, je peux m'en servir comme ça directement. Hein, je m'en sers comme un bloc. Hein. Elle ne va pas bouger, il n'y a pas de souci. Mes plaques, elles sont un peu sales. Il va falloir que je les lave. Alors ça, je ne vous en ai pas parlé d'ailleurs, quand mes mousses commencent à être un peu sales, on le voit, le tampon se nettoie pas très bien. En fait, il suffit de les déclipser, tout simplement, et de les passer sous l'eau, en fait, avec un peu de produit vaisselle, bien 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 rincé, et les laisser sécher. Et demain, elles seront toutes propres. Donc ça, c'est ce que je vais faire ce soir, parce qu'elles en ont bien besoin. Donc je remets ma petite plaque dans ses encoches. Elle n'a pas bougé. Et on va mettre la Versamark. Okay. Donc ça après c'est la déco, hein. De toute manière, ça à ce niveau-là, vous faites exactement ce que vous voulez avec ce que vous avez surtout. Surtout avec ce que vous avez. Voilà. Donc là, j'ai ma colle qui est en place. Donc ça brille un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais de suite attraper un petit bout. De poudre transparente. Moi, je vous avais montré l'autre fois, je les bascule dans des boîtes comme ça. Pour que ce soit plus facile et que je récupère directement la poudre dedans. Sinon, vous la faites couler sur la carte, un papier en dessous et vous récupérez l'excédent. Voilà, donc là je vais bien recouvrir ma vague.
Hop, je vais laisser pencher. Ben c'est bien, tiens. Je pensais pas pouvoir faire l'exemple pour ce papier-là, parce que du coup, ben, comme je vous ai dit, j'en ai de moins en moins du papier comme ça. J'ai pas eu trop le choix pour faire celle-ci. Voilà, je tapote un petit peu pour l'excédent. Je referme de suite ma boîte. Poudre très volatile, on n'oublie pas. Et je vais aller vite brancher mon fer. Voilà. Et on va voir. Alors du coup, est-ce qu'avec la couleur foncée comme ça, vous allez voir comment ça... Oh, je pense que ça va bien se voir sur cette carte, justement. Allez, c'est parti. Pardon, on avance pour le son. Alors, par contre, vu que mon papier est fin, il risque de bandouler un petit peu, mais c'est pas grave. Au pire, je le collerai au double patch. On verra si la colle suffit ou pas. Là, déjà, avec le son, c'est plein. Voilà, ça commence à prendre. Ah, ben super, vous voyez, on pousse vachement bien. En plus, ça fait différents effets de couleur, j'ai l'impression. Avec le papier de fond. C'est ça, ça vire un peu au vert. Bon, mais super, ça se voit bien. Je pensais pas que ça réussirait comme ça. Comme quoi. Allez, je vais nettoyer la Versamark de suite du tampon. Je vais le laisser dessus pour le moment. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait par contre de l'aimant? Il est là, c'est bon. Voilà. Alors, du coup, j'avais découpé quelques petites décos. Déjà en avance, on va remettre les petites vagues comme ça. On voyait que ça ressortait bien en plus du. Alors, est-ce que je l'ai fait sur un papier autocollant? Non, je ne l'ai pas fait sur un papier autocollant. Ouais. Bon, par contre, sur le côté embossé, ça prend un peu de temps à coller. Appuyer dans le dos. Voilà, on va coller le petit bout à côté. Je sorte un petit peu de pâte. Ah, il va falloir que je le change bientôt. Eh bien, elle veut pas. On va le mettre par-dessus celui-là, tiens. Comme ça, il va dépasser. Ça va faire l'effet vague qui dépasse. Bon, la colle, elle déborde un petit peu, mais c'est pas grave.
toute façon, avec le relief, la couleur, elle va devenir transparente, mais si, même si ça fait une ou deux marques, ça sera pas bien grave. Ça veut bien adhérer. Bon, j'y mets mes doigts. Voilà. Donc là, vous pouvez ajouter des petites choses, des petits éléments. Et cela vous fait plaisir. Et donc, du coup, on va venir le coller ici. Donc, hop, je vais ressortir mon scotch. Celui-ci, comme ça, on va pas s'embêter. Et je suis sûre que ça ne bougera plus. C'est surtout dans les cas où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où c'est des cartes susceptibles d'être manipulées, en fait. C'est surtout ça. Pas des cartes qui vont rester comme ça. Elles sont rigolotes, hein, tout simplement. Alors toujours quand par contre quand vous la refermez, faites bien attention à bien laisser votre élément parallèle en fait. N'allez pas vous abîmer, ni se plier sur lui-même d'ailleurs. Hop. Alors, ou alors même, je peux peut-être même me mettre comme ça sera plus facile, voilà. Hop, moi j'aime bien toujours appuyer par derrière, dans le dos de la carte. Permet de mieux appuyer, de ne pas venir sur le projet que vous avez fait avec éventuellement vos doigts. Voilà, et on va coller quelques nuages à l'intérieur, comme j'ai fait sur l'autre, et puis ça sera bien beau. Voilà, donc j'espère que cette petite technique vous aura plu. Ah. La petite carte fenêtrée avec le motif au milieu qui gigote. Du coup, ça aura fait la technique recto verso, mais qui aussi est disponible en technique effet miroir, comme certaines l'appellent. Trouvais que c'était sympa de vous montrer ça. Ça fait un petit projet un peu plus sympa et un peu plus court et un peu plus simple que d'habitude. Même si en général, ce que je vous fais, c'est pas très compliqué. Si vous suivez bien les étapes, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà. Voilà. Donc du coup, hop, on la tourne plein, 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 plein de fois. Et comme ça, avant de l'envoyer, vous le faites, vous la pliez, et la personne, quand elle ouvre, tac, voilà. Voilà, donc du coup, ben, on va arrêter là pour ce soir. C'est très bien, ça aura fait un petit live pour tout le monde. Ça fait du bien aussi. La semaine prochaine, donc, je vous retrouve avec, alors ça, je ne l'ai pas annoncé. Ah, je peux vous montrer l'extérieur, je ne vais pas vous montrer l'intérieur. Je vais juste vous montrer l'extérieur. Il s'agit d'une boîte, mais pas que. Voilà. C'est une boîte à album en fait, tout simplement. Sauf que c'est un album un peu particulier. Voilà. Donc, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Moi, il faut que je le finisse parce que j'attends les photos qui vont aller dedans. Il me reste quasiment plus que ça et 2-3 décos à l'intérieur. Donc du coup, ben, j'ai hâte de vous montrer ça. Parce que vraiment, quand on l'ouvre, pareil, pour le coup, ça fait vraiment un effet waouh. J'adore, j'adore, j'adore la structure. Je ne l'avais jamais faite. Je l'ai testée sur ce prototype. Donc je referai exactement le même. Que d'ailleurs, peut-être je ferai gagner. Tiens donc, peut-être, ça peut être une idée.
Je suis à 46 ou 47 likes sur ma page Facebook. Donc si la semaine prochaine je suis montée au cap des 50, c'est pas beaucoup, hein, on peut y arriver. Ben, en fait, je la ferai gagner. Voilà, je tirerai au sort sur les personnes qui sont abonnées à ma page Facebook et je la ferai gagner. Voilà, comme ça au moins c'est dit et puis ça fera un cadeau sympa et pas très commun. Voilà. Ben merci d'avoir été là. Trop bien, je te montre tout à l'heure ce que j'ai fait. Ben, c'est parfait, au contraire, avec plaisir. J'ai hâte de voir ça. Voilà, donc du coup, la version un peu light sans trop d'écho. La version que j'avais faite avant qui va se retrouver sur ma page. Donc je suis contente. Ça fait des petites cartes avec des petites techniques un peu spéciales. Donc j'ai trouvé ça sympa. Super, si ça vous a plu, tant mieux. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à la semaine prochaine. Salut, salut!